Et salut à tous, et on commencera sur Saucisse pour cet épisode numéro, je ne sais pas combien, 34? 34. 34, ouais, je Ouais. suis trop fort. On est de retour avec les bons, les charmants, les beaux, les briques et bras cassés de cette équipe. Bonjour les bras cassés. Bonsoir. Bonsoir. Après avoir débattu pendant plus d'une demi-heure pour savoir si vous voulez faire un long repos, après avoir fait au moins 5 fois la même vente parce que quelqu'un a bu la mauvaise potion au mauvais moment, on peut enfin démarrer cette session de record. Il a revu la potion, surtout qu'il avait déjà. Oui, ça, le truc, c'est que j'avais déjà la potion. Et on va pouvoir ouvrir la porte de sur laquelle on est devant depuis Que sera le 45 mec? putains de minutes. Ah, c'est bon, c'est tout. Je crois qu'il y a aucun doute. Je dis pas vous, mais. Attendez, oh. Il a l'air sympa, hein. Bonjour, messieurs, dames. Tira la zélote, Sorénie la zélote. Alors, est-ce qu'on les massacre ou est-ce qu'on y va en mode un peu plus strat et on va d'abord voir ce qui se passe? Il y a des serviettes en haut sur la caisse. Des serviettes? Je sais pas, mon pomme à moitié mangée. Il y a une pomme à moitié mangée. Elle récupère la pomme de terre, merde. Oh, t'as oublié la saucisse de porc fumé. Attends, je vais déplacer la caisse pour pouvoir l'ouvrir parce que mon perso, comme d'hab, c'est un peu un bolos, quoi. Il va encore tout péter. Hey, t'as oublié la la pomme à moitié mangée. Hein, quoi? Non, ouais. Pas oublié les patates. Il y avait des patates, moi j'ai des prises. D'ossements avec un os, attends, je te le donne, tu l'as oublié. Oh, il y a une adepte là, un adepte gulet dans tout être vert. On va tellement lui faire sa fête, elle, j'en suis sûr. Il y a un truc sur la carte marqué bassin secret, avant de prendre les escaliers. Fais gaffe, je crois qu'il y a. Faudrait peut-être passer la serpillière quoi dans ce. Bassin secret? Ouais. Ah oui, l'eau. J'étais là, il est vraiment court sur pattes ce bonhomme, mais c'est en main. Ouais, ouais, il y a un problème. Non mais pas toi l'adepte de con là. C'est ouais, drôle parce qu'en fait les nains ils sont de petite taille, tu vois, moi je trouve ça un peu drôle. Ouais, c'est fou hein, c'est tout le mot nain quoi, c'est... Attends, putain. Je ne sais pas si... Nanik. Vous voulez pas suivre la trace de sang par terre là? Ça a l'air incroyable. Bah oui, mais la trace de sang elle vient de par là pour aller là-bas, donc on peut la suivre. Non, l'autre trace de sang. Allez le tank, ouvre la porte. Ouverture, porte. Allô. Ferme la porte, vite. Oh, y'a des mobs. On ira la question. Pourquoi t'as fermé la porte? Bah je sais pas, on va dire fermer la porte. Non, c'est la référence au donjon de Nullbuck. Ouais, bah j'ai fermé Bonjour. La porte. Bonjour. Oh, y'a un parchemin... Oh, y'a un scalpel. Y'a un parchemin de quoi? Ils sont bons. Simulacre de vie. Ah. Et si on fermait la porte et qu'on le défonçait? C'est exactement ce que j'étais en train de faire, en mode... C'est fermé, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut leur parler avant? Attends, on peut essayer de leur parler, peut-être. Plants one foot in front of the other. Head forward. Back. Faites en sorte qu'ils vous craignent. Peut-être que ça se voit. Bon, pour l'instant, il. Pour l'instant, il meurt quoi. Mm-hmm. Moi, je vais attendre que tu les pousses parce que comme ça, au moins, bon. Voilà. Attends, je vais mettre par là alors. Bon, on les défonce, on est d'accord. Ah oui, oui, oui. De toute façon, il y a des gens de la police. Tu l'as one shot? Non, hein, quoi? Non, il dit, vous avez fait du mal à quelqu'un, la cellule vous attend. Voilà. Non! Je viens de faire un échec critique pour la toucher. C'est trop bien, Eldritch Blast. Oh merde! Oh, confusion! Okay. Ah bah super, vous allez nous taper nous! Pratique ça! En plus, c'est les deux qu'on peut pas jouer qui sont confus quoi! Putain, mais. Ah, surtout que je vais taper sur quelqu'un là! Oh bah très bien! Ouais, vous avez vu? Non, quoi? Taper sur qui? Allô? T'es où? Allô? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas. C'est-à-dire qu'on peut te taper toi? Oui, mais. peut-être balance-moi juste un seul Eldritch Blast pour me destun, mais... Non, mais je pense que je suis pour le buter, juste que je passe un peu par là. Ah, c'est marrant, ouais. Moi, mon perso, tu vois, il a pas tapé sur la petite gnomette des profondeurs. Oh. C'est réglé. J'allais pas gâcher un spell pour ça, et j'aurais peut-être dû. Non, parce que finalement, qu'est-ce que ça a fait? Eh ben, c'est trop bien. J'ai un coup de... Quelqu'un veut me couper? Bon, attends, ça se voit combien? Un PO. Ouais, super, ça pèse 4
tonnes. Ah, mais il y a des gens au début à l'entrée là. Ils sont venus. Ah, ouais, oui, avec l'escalier, le... on peut monter l'escalier si on veut. Non, mais l'escalier c'est pour après, je crois. Là, là. Zira la Zélote et Zénith. Coucou. Ils étaient là au début. Bah, avant, je les ai pourvus. Il a tellement loot qu'il était pas au courant. Attends, attends, préparons les choses. On peut y aller à 5. Attends, tu veux qu'on passe en turn base mode là, comme ça au moins on... Bah après, si on leur tape dessus en étant caché, tu vois, ça va les surprendre et donc on pourra leur mettre un autre tour dans la gueule sans qu'ils nous tapent. Oui, non mais alors toi t'es au cac, donc il faudrait bien que ce soit un des magiciens qui soit caché, qui leur tapote dessus. Bon, attends, on est là. Je suis pas caché là. Moi je suis... caché. Toi t'es caché? Moi je suis caché. Je lui tapais dessus. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, tu dégages le Zélote Lorraini là. Non, en fait, le temps du combat, j'aurais peut-être pu relancer une décharge de culte, j'ai pas fait gaffe, mais... Ah bon, on va pas taper, Ah, parce que l'action... On les a pas surpris. Oui, il reste que 7 PV, mais bon, je vais pas dépenser un point de kit pour ça, c'est... Ah, peut-être parce qu'ils étaient pas hostiles à la base, c'est pour ça qu'il y a pas le tour de surprise. Oh, ils étaient pas hostiles, c'est des zélotes. Ah là, ils étaient en neutre. Ouais, bah bon, enfin bon... Ah bah, oh merde, y a l'œil par contre qui... Eh hey, merde. Ah là par contre, peut-être que ça va pas être la même mayonnaise. C'est pas grave, on les défonce. Tu veux que j'aille le buter l'œil? Non mais c'est pas ça que... Ça veut dire que du coup on va être repéré en tant qu'ennemi et du coup on va avoir des gros problèmes dans toute la zone. Ouais, c'est ce que je me pose comme question. Mais de toute façon on va tous les buter. Mais non. Allez, let's go. On fait l'œil hein. Ah bah de toute façon va falloir le buter donc on lui tapera dessus mais... Il se rapproche ou il se casse à ton avis? Je sais pas ce qu'il fait, l'œil je sais pas si... Il est là. Après, par contre il est résistant à quasiment tout. Hein. Ah ouais, il est résistant, il y a que... Il est vulnérable qu'aux dégâts de tonnerre. On va passer un moment sympathique tous les deux. Il est résistant à la foudre, ouais. Par contre, vulnérabilité aux dégâts de tonnerre. Arda, c'est à toi de jouer. Mais... Ah oui, d'accord, je crois que c'était toi, j'étais en train de dire, tu peux lui murmurer ce que tu veux, alors aïe, mais. Je vais finir mon tour. Aïe, là, je suis mort. C'est l'échec de la part. Ouh. Ouais, non, bah là, je suis. Voilà. Et elle va. Bon, ça va. Quand même, 23 PV. Hein. Ouais, mais ça va, je m'attendais à pire. Oh non. Ah, là, par contre, ça va. Oh, ça va, c'était que. Que je sorte de sa zone, non, de toute façon. C'est à peu près ça. Ouais, mais je peux. Voilà, ouais. Il est mort. Ça bouge un gardien de la foi là voilà. Non, ça bouge pas. Oh. Ah ouais, non, mais si tu fais ça là, moi jamais je peux aller le taper, le gars là. Bah je me demandais s'il fallait pas le... Bah ça se plaint, ça le fait quand même. Oui mais du coup je défense pas, y'a un... C'est mon action bonus alors que... Ah vous pouvez... Comment ça? Bah, je crois pas monsieur, mais c'est bon hein. Mais va crever toi. Qu'est-ce mais... quelle chiance. Mais bah, quelle voilà. Chiance ce nain. Ah on a bien fait de le tuer, il avait une clé. Ah ouais, super ouais. Let's go. Je suis sûr que c'était une bonne idée. Alors moi j'ai toujours le zéote sur la gueule. Non, non. 19. Bon, Ah j'ai essayé hein, mais bon. Ah si tu peux le pousser vers moi après là, je veux bien essayer de faire quelque chose. Alors attends, non, 4 je vais... 14, c'est vers moi. Tiens. Oh les... Bon, pas d'accord. On a joué au bimboquet avec. Hey, il avait été lui aussi. Tiens, regardez les trucs pour venir. Allez, allez, let's go. Vas-y, il pèse 4 tonnes. Allez, tiens. Là aussi, il y avait une clé. Ah, les bulbes qui centralisent les ennemis. Attends, je te la prends. Paf. Comme ça, on peut les packer après. On leur fera des gros AO dans leur queue. Ouais, 2-3, c'est bien. Ah non, oui, alors, doucement les jambes, mais. Parce que les armures qui pèsent 20 kg, bon. Pardon.
Non, non, mais rapidement, je... Après, j'ai... Rapide, quoi. Enfin, t'as plus de place, quoi. Ceux qui ont besoin de se faire soigner, là, ce serait bien qu'ils se retrouvent au même endroit. Est-ce que tu veux une grosse, grosse potion ou... Moi, j'en ai 26 des petites. Je peux te filer des petites potions et tu remontes à la petite potion, hein. Oui, après, t'en mets une par terre et on papof. Ouais, Katox, tu veux revenir pour te faire soigner avec les autres, là, pour les... Oh, les popos de zone. J'arrive. J'étais en train d'inspecter la suite. J'ai pas l'impression que les autres nous soient très hostiles. Non, non, c'est pour ça que on l'a buté vite, le gars. Des endroits très... très étranges. Il y a eu un 17 là. 62 ça te va ou tu veux que je te file des têtes? Non, 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 c'est bon. Ouais. Bah, je l'ai pas, pas autant que toi, mais j'en ai un peu. Oui, moi je les ai mis en vrac comme ça au moins vous les voyez si vous voulez vous en prendre. Je vais t'en prendre. Hop, je t'en prends 2. Je t'en prends 10. Mais c'est pour ça. Ah, mais Katex, il en a 5 des supérieurs aussi. Mais toi, t'en as pas des supérieurs? J'en ai 3. Non, non, c'est des gretteurs, moi je te parle. Ah non, 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 mais moi j'ai que dalle. Vous faites les aspirateurs à potions, j'en ai. Moi j'ai. On fait les aspirateurs, moi je les ai achetés surtout. Hein? Tiens. Bah, elle s'achète en fait celle-ci de potions. Absolument. Enfin, moi je les craft, hein. Ah, c'est bon, je suis tout frais, tout parti. Je t'en ai filé 2 des grosses. Ah, oh, bah, tiens, y a des tiflins qui sont ici là. Attends, y a pas des gens? Stratégie. Attends, côté là. Ouais, mais tu vas par la suite parce que en faisant le tour, tu arrives par là. Donc... Ah, bon, après, à tout moment, je vais taper l'œil dans mon coin. Hein. Bah, s'il y a que ça, tu tapes l'œil et moi je m'occupe de taper l'adepte Kyriss. On voudrait pas d'abord parler au Tiflin? On peut t'aller. Allez, ouais, le Kyriss, en avant. Bonjour. Tu t'es fait repérer, non? Ah, non, c'est attends, je peux pas leur parler, ils sont réservés au Balthazar. Non, j'étais en train de lui parler à l'œil, en fait, pour qu'il arrête de bouger, ce con. Bon, il va bien revenir, hein. Oh, là, ah, on peut lui mettre une petite Thunderwave dans la gueule, vu qu'il est... Oh, allez. Natural 20! Boum. Your reasoning is hard to argue with. You're free to speak to the prisoners. Charlatan, allez, inspiration pour Katox. Pas de problème, j'ai un permis. Not to worry, I have a permit. The gnomes got themselves down up to something, and we're in. I can't read bloody minds. Go on, before someone sees. Bon, alors attends, l'œil, il est où là? Il revient ou pas? Ah, il est parti tout au fond de. Oh bah. Il est là. Écoutez, du coup, l'adepte en attendant. You ordered that guard about as if you were the absolute. Attends, il y a Katox qui est en dialogue. Oh, il y a le qui arrive. Ah, attends, je vais mettre le loin pour taper l'œil. Vas-y, viens, on y va tous les deux. Faites votre vie avec les tifs là, vous en faites pas. On s'occupe de l'œil, tout. C'est devenu Ekdom depuis, hein. Bon, écoute, si les gens veulent changer de race, c'est leur problème. Hein. Moi, y a pas de. Oh. Allez, ça dégage, ça. 140 d'XP quand même, l'œil. Hein. Pas dégueu, hein. Bon. Adepte mon cul sur la commode, là. Toi aussi, tu dégages. Hein. Ah, merde, il m'a eu. I reckon you and I were meant to. Ah, il bouge. I'm Wilbrun. Au pire, pas de cause. Ouais, vas-y, vas-y. Efficient. Là, je vous fais un petit spectacle. Du coup, il n'a pas vu. Hein. Du coup, il voit pas. Hein. Allez, hop, avantage. Vas-y, c'est bon. Ah, oh, mince, je vais arrêter. Ah, pardon, je t'ai sorti de conversation, Katox. Je suis désolé. Ah non, c'est moi qui l'ai tapé pour le. Ok. Pardon. Laissez-moi terminer ma phrase. Hey, il avait une clé. Regardez, il a des trucs pour Mimi. Hein. Allez hop. Oh, il y a une plaque. C'est pour Mimi, hein. Cellule numéro 4. C'est pas très intéressant. Ah, c'est bien, les mecs. On est enfermé dans la tour, les gens sont monstrueux. Et nous, on arrive, on les massacre tous, quoi. Eux. Non, mais y'a pas moyen d'aller dans cette cellule là. Le
veux des outils. Il n'y a pas de porte pour les ouvrir ou un petit mécanisme, un levier? Ah, là il y a un mur là, ici là. Attends, comment on fait pour ça? Là, là il y a un mur qu'on peut péter là. Good work. We're gonna wait until it's quiet and then bust out the back. We'll grab the tieflings along the way. Faudrait que tu testes un peu péter un mur à distance avec tes Eldritch Blasts. Once we move, keep the patrols busy. If the bastards spot us, all of the moonrise will come down on us. Bah en fait, les gnomes qui vont le faire. Ah ok, parce qu'en gros, là, ici, là, là où je suis... Non, là. La cellule des tiflins, là. Il y a un mur fragile dans le fond, mais c'est les gnomes aussi. Quoi ? Pourquoi elle gueule ? Non, elle courait. Ah mais il y a tout un truc derrière, il y a un bateau et tout. Ouais. On va trouver comment ouvrir les portes. On peut encore se balader, hein. Ah oui, oui, voilà, attends. Et c'est bon, les tiflins, ils sont sortis aussi. Quoi ? Comment ça ? Ah, vous avez filé un petit marteau ? Ouais, ça. T'avais un marteau, ouais, les gnomes ouais. qui sont allés les aider. Bien joué. Il y a quoi, attends, what ? De quoi ? Bah, en gros, il y avait les gnomes, ils ont pété le mur au fond de leur truc, ils sont allés péter le mur chez les tiflins et ils se barrent, du coup. Ah, mais oui, c'est clair. D'accord. Alors là, je sais pas si t'as vu Katox, hein, mais t'es passé de face à un ennemi qui est en train de se curer le nez. Mais t'inquiète pas, il va pas se curer le nez longtemps. Les ouais, toi tu vas lui filer un pic à glace. Ah bah mince, regarde, mon bâton est tombé sur toi, je suis vraiment désolé. Oula, mon écran il s'est plus donné la tête. Bon voilà, mais justement c'était pas vraiment un combat. Ah, oh là, je crois que vraiment il a tenté de faire, tu sais, c'est genre. Allez, il s'est pris 14 coups. Ah putain! Il a tenté de faire, bon les gars, et vous m'avez tapé, et puis il est mort. Exactement. Moi j'ai même pas eu le temps de voir ce que... Ah yeah, la furie de... C'est un peu ça quoi, je serre le poing. Vous allez partir en prison... Non c'est bon, c'est pas... Non bah vous allez partir en vacances. Eh, hey, on peut aller là-haut. Moi j'arrive pas à y aller, c'est trop... Vous avez pas vu qu'on est passé à côté d'une tour? Comment ça? Bah moi je peux y aller. On est passé autour d'une tour. Ouais bah... Vous pouvez pas venir là? Bah non. Je pense que moi, non. Allez, ah, attends, vous avez... je vais prendre des dommages. Vous avez fait des super popos de jet de, non, mais, de sautage. Attends. Il y a des barils, on fait le tour de barils et puis c'est bon. Mais, sinon, ils prennent des potions de triple jump. En sautant sur ce baril, est-ce que c'est suffisant ou pas là? Putain, j'ai l'impression que t'es en train de sortir ton... ton papy, tu mais sais. Mais si, fais clic droit, il y a un tonneau. Non, tu peux pas escalader les tonneaux, je crois. Les caisses, tu peux, mais pas les tonneaux. Oui, super. Et Katox est en train de s'appuyer avec sa petite caisse. Ah oui, là. Ouais, moi je vous regarde faire. Là, tu fais clic droit sur la caisse et monte. Mais non, mec. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah bah oui, mais là, tu l'as mis trop haut, là. Vous voulez que je la descende? Bah non, on peut plus, elle est trop loin. Voilà, c'est... Mais ah, oh, mais... Non mais... Il est débile. Arrêtez de la bouger. Moi je regarde, c'est très marrant en tout cas. Là après tu fais clic droit climb on et là normalement en sautant ça marche ou pas? Ou c'est trop haut encore? Je suis trop haut encore. Attends, on va bien trouver notre caisse. Bah remets les deux notre... tonneaux là. On peut pas sauter dessus. Attends mais si... Si tu fais... Ah, j'ai trouvé une caisse. Attendez, j'ai trouvé une caisse. Je la ramène depuis l'autre bout du niveau mais j'ai trouvé une caisse. Allez sinon regarde, il y a une là. Où ça? Ah bah voilà, et tu mets la caisse sur le tonneau et tu fais grimper sur. Allez, vas-y, grimpe. Attends, parce que ça a bien fonctionné, mais je peux sauter dessus comme ça. Hop, attends, je saute dessus comme ça. Et alors ça, parce qu'on a les deux asthmatiques là qui ont séché les cours de gymnastique. Oui, ben on m'a toujours dit. Le geste, c'est pour les décérébrer. De toute façon, dès que tu fais du sport, tu te blesses ta balle. Je te demande pardon. Hop. Bon, on va pouvoir aller finir cette quête. Attends, tu vas où là? Bah, je sais pas, il y a un tonneau. Ah, survie ratée. Oh, il y a un coffre là. Ah, guidance. On veut le coffre. Ouais, on va creuser surtout. Non, mais tu sais pas où il est le truc. Bah, je sais pas, regarde, paf. Ouais, j'allais cliquer pile à cet endroit là quoi. Ah bah, j'ai réussi. Merci Arda. Eh, fais gaffe, il y a un coffre qui est là. Ouais, c'est ça. Regardez, vous avez déterré un coffre. Ah, il y a une dent rocheuse, on peut descendre. Bah, attendez, on va peut-être finir la zone avant d'aller ailleurs. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que t'as un puits rouge là-bas dans lequel tu peux descendre, un escalier par lequel tu peux monter, ça va être un sacré merdier.
Attends, on va se perdre comme des cakes. Non mais finissons la quête déjà pour leur dire allez c'est bien, cassez-vous là, on vous a libéré, cassez-vous, donnez-nous des sous. Quelle quête? Quelle quête? Tout va bien. Parce que dans les cellules il y a des trucs à... Oh, alors, un bateau prévu pour une évasion, qu'est-ce que c'est bien fait. Il y a rien dans leur cellule, bon en même temps c'est une cellule mais... En même temps c'est une cellule, t'attendais à quoi? Ah, mais... bête de pièces d'or. Là il y a un truc là. Vous avez looté déjà toutes les caisses. Ah, j'ai envie. Ah, il est en train de couper la corde. Secret stash. Oh, oh, oh. Attends, je parle à lui. Je vais lancer. Now. This boat is tied up tight. Ah d'accord, il faut couper les chaînes. Bah il est en train de le faire. C'est bon. C'est... Pourquoi plus rien ne bouge chez moi? Inca, hein? Ah oh, mais non, mais elle était dedans elle. Oh. Mais j'ai plus rien qui bouge moi. Katox c'est d'écouter. Une cinématique. Bah oui mais je l'ai pas. Et qu'à moi. Mais je peux pas. Mais c'est, ah, genre c'est moi, si. C'est ma scène. Ah mais c'est moi qui étais dedans. Mais comment c'est moi, je suis en train d'ouvrir un coffre. Mais putain mais j'étais j'ai même pas vu la cinématique. Attends pourquoi on est pas monté dans le bateau là. Et niquez-vous, tu es flin de merde. Moi parce que je leur ai dit allez à l'auberge, cassez-vous, ils ont pas besoin d'eau pour aller à l'auberge. Ah ah. Mais pourquoi on fallait monter dans le bateau? Il fallait y aller. On a reçu des XP hein. Laisse-moi voir les quêtes. Ben je sais pas si on aurait pas récupéré de l'XP justement en y allant. Attends, je sais pas, mais là vous pouvez. Attendez, est-ce que là où je suis déjà, vous pouvez ouvrir le putain de truc là? Y'a un truc pour vous là? À côté de moi. Ah mais oui, t'as pas la pelle. Mais tout à l'heure j'avais une pelle. Mais j'ai toujours une pelle. Quoi, je peux pas. Ah merde. Ah non, bah il faut en fait faut retourner là-bas pour informer Bracchus, mais voilà. Sauver Tislin. En fait, faudra repasser à l'auberge de l'ultime lueur. Ça a bugué parce que j'étais en train de miner le truc pendant que vous avez causé au machin. Mais j'ai parlé à personne. Hein. Non, mais vous avez pété les chaînes pendant que j'étais en train de causer. Ah non, causer. J'ai rien non, fait. Non, il a pété les chaînes tout seul. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui a causé là-bas. Et moi, du coup, vu qu'il se passait des trucs et que ça m'a. Enfin, il n'y avait pas de discussion, donc je suis allé voir ce truc. Et de faire les deux choses en même temps, comme la dernière fois, ça a fait planter quoi. Peut-être que si on se TP qu'on revient, ça marchera. Bah, je sais pas, mais genre, c'était un truc de quête. Normalement, il y avait plein de trucs dans ce coffre. Il y avait marqué que c'était une cachette. Une cachette secrète. Bah, peu. Bah, attends. D'où est-ce si que je tiens fait... que si on se TP. On y reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. Ouais, mais si on fait aller au camp et qu'on revient, on recharge la zone, non? Si on y va tous au camp. Bah, ah. Oui, mais comment on se TP ici ensuite? On a un point de TP Bah, si ah tu non, fais aller au si camp, tu quittes le camp. Tu reviens directement okay, sur place. Bon, je vais au camp. Ouh, joli le campement. Et maintenant, je quitte le camp. Putain, c'est quand même. c'est discret le camp en plein milieu. Hein. Non, perdu. Peut-être que TP c'est... ça marche plus. Mais on repassera là plus tard, c'est pas grave. La thune. Finis d'explorer la zone et on repassera après. Bah ouais, mais le truc c'est que si le seul moyen c'est de recharger. Et je passe le camp. Bah ouais, mais là ça veut dire que si c'est rechargé, faut se retaper tous les fights qu'on a fait jusque là. Parce que la dernière sauvegarde en date. C'était quand on a commencé le jeu. Quand on a commencé. Et ça sauvegarde pas automatiquement le jeu? Non, c'est... Bah si, mais au point de passage intéressant, pas juste avant de déterrer un coffre. Allez, bon. On descend la dent rocheuse. On descend la dent rocheuse. Et moi j'ai bien allé dans les trous. Miasme revigorant. Oh. Mais je suis un nain, je suis. Enfin bon. Il y a plein de cadavres. Oula, 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 démerdez-vous. Il n'a pas l'air commode lui. Horreur, ah non, crochus, pas encore eux. 4. Il n'a pas l'air commode celui-là, dis donc. Mais ils sont que niveau 4, c'est pas grave. Pas de résist en plus. Bon. D'accord. Bah... S'il n'y a pas de résistance, alors c'est que c'est facile, hein. Bon, les pète les dents. Ouais, je regarde ce que enfin, je fais. La dernière fois, c'est eux qui m'avaient ouvert en 4, hein, donc voilà, mais... Bah, on va voir si t'es toujours squishy ou si t'as... Non, je suis toujours squishy. Mais... Yep. Ah, non. Allez.
Oui, t'es fait choper. Ah non, non, ah mais si, pousse-le comme ça, après on peut venir. Attends, est-ce que tu veux que je lui mette un petit... Attends, qu'est-ce que j'ai comme sort, moi? Surtout, passe pas ton tour. Hein. Oui, non, passe pas ton tour, parce que là, on peut encore changer nos sorts et tout. Bah ça, on s'en fout. Non, mais c'est surtout qu'on est pas... Moi, je suis pas en combat, donc... Bah si, je peux tenter de le pousser avec mon... Est-ce que tu veux que je lui mette un petit guiding ball dans la gueule pour te donner l'avantage? Oui. Bon, est-ce que je lui Eldritch Blast sa tête? Alors si tu veux. Il n'a pas du tout bougé. Non, bon, qu'est-ce que je lui jette dans la tronche là? J'adore comme il dit YOLO. YOLO. Bon, un guiding ball, allez, hop, paf, comme ça le prochain. Paf! Bim! Plein sa gueule. Ah, trop bien, attendez, passez pas votre tour. Hein. En plein, moi personnellement, qu'on soit clair, il va pas cramer, alors il va bien crever. Ouais, attention, il y en a deux. Ouais, bah celui-là il est prone. Hein. Alors il est prone et puis il va bien aller se faire coudre. C'est une façon de voir les choses. Tu commences par rater, et c'est très bien. Je respecte ça. Bon, ouais, t'inquiète. Alors moi ça va quand même faire un petit peu mal au cœur hein, de voir louper un truc par terre. Ouais, moi aussi, je t'avoue, je... Hey, y'a son pote là-bas. Oui, je t'ai dit, ils sont deux. Oh, bah, attends. Mais tu sais bien que Atemir ne t'écoute pas. Bah ça, j'ai l'impression d'être avec mes élèves, quoi. T'as voulu leur parler de trucs, ils écoutent pas. J'écoute personne. N'écoute que toi. Exactement. Il n'y a pas de maître. C'est Sprite, c'est ça. Ni maître, ni loi. Par la grâce, par ma grâce et par celle de Dieu, notez le pléonasme. Alors, oui. Il est fier de ses tournures. Oh oui. Ah bah, il est fier d'être surtout aussi puissant. J'ai le pouvoir. Fais gaffe, hein, Darkidius, il a construit l'étoile de la mort, il s'est quand même fait défoncer. Ah oui, c'est vrai. Je pensais l'avoir déjà fait. Allez, let's go, parce que maintenant, sur qui il va sauter? Eh, hey, grande nouvelle, j'ai une conscience. C'est pas sur moi alors que j'étais à côté, let's go! Mais pourquoi? Mais pourquoi toujours moi? Il est en train de te défoncer, c'est incroyable! Très content d'être le tank. Ah mais à moi c'est... Je pensais que c'était moi. Eh, je peux taper moi aussi. Ça suffit. Mais pourquoi ils ont passé un niveau et pas nous? Mais espèce d'enfoiré! On a eu masse d'inspiration sur... Eh, je vous blague. Il me reste 300 XP à voir avant de monter un niveau, moi. Oh là là, on est passé level 8, ça veut dire le deuxième feat. Ouais, level 9. 9. Ah oui. Je m'en fous, 9. J'avance, je veux mes 200 XP. Il y a un jet de survie de raté, je sais pas quelque part. Oh, je débloque les spells de niveau 5. Oh bah c'est bien, il va mettre 1000 ans à passer son niveau. Ah, là. Culture arcanique supérieure. Mais non, et moi j'ai un feat là. C'est pour Arda. Ça c'est résistance à la foudre. Je m'en fous, je veux mes pecs. Mais parce que t'es niveau 5 d'un côté et 4 de l'autre, c'est pour ça. Je m'arrêterai pas avant d'avoir eu mes pecs, je m'en balec. Oui. Oh, y'a un bain de sang là, vas-y, on avance. Oh, trop je cool. Faire un code de froid. J'avais quoi comme feat là? What the hell is this place? Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Résilient. c'est vraiment ça, si on saute, on crève. Ah. Intéressant ça. Ah. Mais c'est dommage parce que j'y serais bien allé, genre c'est quand même. Ça a l'air fou, non? On peut invoquer un élémentaire. T'as essayé. T'as sentinelle toi ou pas déjà? En fait, il faut juste pas sauter dans le trou qui est là parce que c'est un gouffre. Ah. Alors moi je vous laisse faire votre popote, moi je regarde ce que je peux prendre comme spell. Par contre, c'est un petit peu dégueulasse comme zone. Hein. Right beneath the towers. Ah, je pourrais prendre un élémentaire mineur et un élémentaire tout court. C'est un truc illicite en fait. C'est un peu dégueulasse. Ah oui, effectivement, quand tu regardes là-bas derrière le gouffre, t'as des tentacules. Bon, c'est vraiment dégueulasse quoi. Oh, là-bas il y a une membrane. Je pourrais prendre peau de pierre pour l'un de vous jusqu'au prochain long repos. It might. There's an illithid parasite in that corpse. Vous êtes pas dans une cinématique là, les gars? Non. On a juste avancé comme des cons. On a du loot, on veut de l'XP, hein. Oui, c'est ça, nous. Putain, un parasite, ça se voit, on trouve rien. Eh, mais je reconnais, c'est des objets pour Mjolnir, ça. Allez, attendez. Vas-y, je prends la maîtrise de l'arbre à deux mains. Paf! Oh, mais non, merde, putain, quel con. Fallait pas que je fasse ça. Tu veux que je recharge, peut-être? On va sauvegarder? Non mais au pire tu vas changer tes niveaux, allez je recharge, allez. Oui Arda. Ah,
Avant qu'un fan. Ah mais c'est pas grave, de toute façon il est encore pour regarder ce qu'il va faire. Bonsoir Abaï, c'est toujours pas ce qu'il prend. Vas-y. J'en avais que un sur les deux. Bon bah nous on avance hein, parce que c'est pas que ça mais... On n'a pas de suite. Les gros mots. Chaussettes. Putain, mais donnez mon niveau. Putain, je veux mon. Et pour une fois, c'est le nain qui l'a eu avant tout le monde. Mais surtout qu'en plus, c'est level 9 là. Ouais, qu'on va passer. Donc c'est les feats, etc. Incroyable. Non, c'est pas ça, c'est level 9, c'est pas des feats. Hein. Ouais, level 9. Encore une double attaque, c'est ça ? Non, j'ai des sorts en plus. J'ai des nouvelles conneries. C'est des attaques à main nue ou avec des bâtons qui vont faire encore plus de dégâts de dingo. Il va pouvoir attaquer une fois de plus. Ouais, non, alors lui, il va se mettre à taper genre à 40 points de dégâts par tour. Oh putain. C'est déjà le cas, ça. Ça va devenir. Oui, non, mais. Bon, alors 60. Toi. Foufou, il est tête viscère, hein. J'ai trouvé plein de trucs dedans. Il y a un truc, hein, peut-être plutôt Savage Attacker. Ah c'est bien ça, Savage Attacker. Faut aussi t'as monté un niveau là. Il y a un bouquin là. Ah c'est bien que tu viennes sauvegarder, au moins je leur ai pillé toutes mes merdes. Oh, incroyable. Putain. Ouh, un cadavre. CPO, fais de la graisse. Deuxième membrane. Oh, j'ai gagné des spell slots. Oh, je ferais pas d'heure en faisant ça. Hop. On est revenu là, mais quel enfer, mais c'est nul, y'a rien. Bah, oh, je sais pas combien je vais avoir de PV à la fin. Mais y'a pas un truc pour passer quelque part de... quelque chose. Allez, vas-y, let's go, je fais ça. Ah non, c'est manifestement, c'est après, c'est, tu vois, si tu regardes... Ah, il y a des cadavres et tout là-bas là, on les voit. Mais Dixit, le mec qui marche sur une pile de cadavres. Non, enfin ce que je veux dire c'est il y a des gens. Attends, on peut pas. J'ai cliqué sur le bonhomme et il y a marqué Cantridge 10. Hey. Bon bah. Si tu regardes dans l'ombre du gouffre, t'as un corps qui flotte. Ah oui. Non, après c'est pas le seul cadavre hein. Non, c'est pas envie de dire que c'est clairement pas le seul hein. Eh bah... Eh mais là on peut pas ouvrir ça. Ah, on dirait pourtant que c'est... Eh bah c'est... en tout cas, bien dégueu. C'était super intéressant. Vous avez récupéré quoi comme truc intéressant ici là? Ah bah t'inquiète, ouvre ton inventaire. Bah plein de choses. Non, mais alors me filer les merdes à vendre c'est une chose, mais genre les loot intéressants genre je ah, parle. Ah mais y avait rien. Genre y avait vraiment que de chi quoi. Walou. La seule chose qu'on a looté c'est de l'injustice parce que deux connards ont passé leur niveau. C'est ça, clairement. Ah, hein, bah les grands. Il n'y avait rien d'intéressant ici, on se barre, c'est ça? Eh bah, écoute, c'est ça. Tu sais quoi? Moi, je dis bien un injustice. Mais je sais pas pourquoi. Mais je la prends cette inspiration, je viens de gagner 75 points d'expérience. Il me reste c'est quoi, cette inspiration? Hein, je sais pas pourquoi j'ai été inspiré là. Mais inspiré pourquoi? Il y avait rien, il y avait littéralement rien du tout. C'est pour ça que je comprends pas. Est-ce qu'on irait pas retourner voir le gros tas de terre là? Non. Ah, vous êtes tous barrés déjà? Non. Vous enfuir de s'oublier, ah bah voilà, c'était tout. Bon bah. Et vous êtes ah, mais attends, si on rend la quête, c'est fait, non? Bah ouais, faut aller la rendre. Après, faut revenir, ouais, t'as raison. Surtout, partez tous dans des trucs différents, comme ça, on est sûr de. Mais y'a plus de mobs. Je sais pas. Alors, non. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'on est passé à côté d'un truc intéressant. Ah oui, bah, je continue à chercher des trucs intéressants. Moi j'étais retourné au monticule de terre pour voir si ça l'avait débugué, mais la réponse est... Mais je pense vraiment faut TP, changer de zone peut-être que ça le débugue. Ouais, débugera, ça, mais... soit si on change d'acte, soit je sais pas mais... Oh, ok, donc du coup là vous êtes parti où les gars? Vous êtes retourné dans la... Littéralement derrière toi. Il y a une tour. Il y a une tour et dans la tour il y a un œil scrutateur. Il y a plein de coffres. Et puis il y a un gros trou. On y va. Attends, déjà, ah bah toi aussi t'as comment les faire venir, il y a du loot. Alors Arda, comment est-ce qu'il perd des PV ou pas? Oh vas-y, triche quoi. T'aurais au moins pu lancer un... Ah bah moi j'ai perdu des PV. T'aurais pu lancer un Feather Fall quoi. Putain mais les gars ils ont massacré une ville entière pour faire ça quoi. C'est pas possible. Hein. Ce qui était en dessous, clairement. Ah bah même ici, regarde le nombre de têtes. Attends j'ai pas fait gaffe moi. Et c'est pas fini. Bah après si ça fait plus de 130 ans qu'ils se foutent sur la gueule dans la joie et la bonne humeur dans la zone. Ah bon. Mais en fait c'est là et ce qui amène en bas. Oh oui. Katox. Alors...
quoi. Tu viens faire Featherfall. Peux... Ouais, mais attendez, on va visiter la tour avant. Non, j'ai très envie de sauter dans ce trou. Ouais, c'est pas le seul, hein. Vas-y. J'ai très envie. Youpou. Et raconte-nous. En avant. Est-ce que t'arrives, tu vas arriver pile là où je pensais, c'est-à-dire ouais, donc ça ne changerait. Quelle tristesse. Ouais, bon bah, venez pas, ça sert à rien. Voilà. Déception sur 20, quoi. Ouais, clairement, je suis une tristesse qui est infinie. Vous pouvez pas j'aime imaginer. Bien cet appareil-là, il m'en faut un en vrai. Ça impressionnerait les élèves, ouais. Ouais, on appelle ça un bureau d'études. Ouais. On te c'est dit, étudier, ça fait grandir. C'est le cas. Ah. Alors, je pense que ni toi ni moi, on a eu besoin de ça pour grandir. Ou alors, si t'as grandi comme ça, bah, ça a bien marché. Pure sur toi. Non, mais ça a bien marché. Ouais, bah, il y avait surtout pas besoin de faire ça sur lui. Il y a une théorie qui a dit que c'est la pression atmosphérique, vu que j'ai passé mon temps allongé à dormir, la pression atmosphérique a fait que je me suis allongé. Tu vois. Merde. Pourquoi, mais je crois pas trop. C'est un médecin renommé qui l'a dit. Ah ouais. Ouais, le même médecin qui me disait, au pire tu meurs. Après, il y a pas tort parce que ouais, je connais un collègue qui dort 3 heures à 4 heures par nuit, il est tout petit. Ah, attendez, j'ai un œil qui fait de son nez. Ah. C'est bon. Les forces d'armes. Mais vous n'avez toujours pas votre niveau. Tu vas bien te faire foutre, toi, avec ton truc, là. Ah, les nécessiteux, quoi. Les nécessiteux, mais putain, c'est toi le nécessiteux, là. Je vais te nécessiter là de monstre, bah, tu vas voir. Parce que moi, je suis le level 9, hein. Je suis pas encore en train de courir un pal XP, là, comme un clampon. Moi aussi, je me vends niveau 9. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux que... Hein? Bon, c'est quoi? Moi, je vais lockpick la porte, ça me donner de l'XP, là. Pardon. Mais non, mais voilà. Ça... Voilà, fais dodo. Je suis à terre. Voilà. Mais attends. Et je comprends pas parce que, genre, vu que tu crois dans tous les sens, ça c'est bien. Hein? Nani? Moi je suis en combat avec quelqu'un en bas, je sais pas vous, mais. D'accord. Je suis là contre un mec en bas. Mais je peux pas putain, bouger là. Mais il a des PV, ce con! Tu vas te faire, mais casser la gueule. Mais t'es où? Oh, il a que. Ah! Quoi? Où? Quand? Qui? Mais qu'est-ce parce que. Parce qu'il. Par où t'es passé, je te vois même pas! Monsieur, ah, oui, il a défoncé la tronche, mais let's go! Allez, mais viens là, toi, tu vas te. Encore le moine qui a fait n'importe quoi. Ouais, et tu vas voir qu'il va surtout le one shot. Ouais, bah, bon. J'aimerais bien, mais je peux pas. Vous êtes loin ou pas? Bah, on a une échelle à descendre. On a une échelle à descendre. Ah bon, bah, vas-y. On a infiltré la zone pendant que toi, bah, t'as ouvert la porte. Bah, moi, j'ai ouvert la porte, il y avait une porte, genre. Mais attends, mais je crois qu'il veut s'en aller. Bah, non. Bah, si, manifestement, il s'en va, hein. Ah mais il vient me voir. Ah enfin ça, elle est John. Enfin franchement, elle est cool. Elle vient à domicile carrément pour qu'on lui tape dessus. Si ça c'est pas, franchement c'est. Oh, bah, je vais essayer de la pousser. Attends, je vais la taper et je vais la pousser pour Attends. Je vais essayer de le faire. Ouais. Je peux lui taper dessus avant. Dommage, j'ai pas réussi. Mais... Vas-y, mais attends, je la pousse. Bravo 22. Ah, bon, bah, oui. Ah bah voilà, j'ai passé mon niveau. Et en plus, je peux la loot, c'est incroyable. Oh putain, la scène, je l'ai vu, j'ai vu ta cadavre tomber, et là je t'ai vu arriver genre en loose day, genre hey. J'aurais tellement aimé pouvoir la réussir à la pousser, mais... Pourquoi je peux pas la loot? Hein? Peut-être parce que tu as déjà loot. Non. De suite. Oh, vas-y, c'est tout. T'as plein, t'as plein de coffres à déverrouiller en haut. Quoi. Ah bah non, c'est bon, moi je fais la loot. Et vas-y. Oh, Arda. Oui. Oh, je m'en fous, je passe mon niveau. Regarde l'amulette que tu vas récupérer. Ah. Restauration d'emplacement de sort. Sort. Ok. Tiens, ça pourrait peut-être te faire ça. Paf. Bah écoute, j'ai déjà restauration magique. Oui, mais l'amulette que t'as, je crois que c'est des spell slots de level 1 à 3, que celle-là, c'est tout niveau confondu. J'ai trouvé le level 6. Que je vais prendre. Je vais la garder. Alors. Je l'utiliserai pour entre les combats, mais je vais la garder sous le coude. Non. Ah oui, la met pas en combat, mais pour restaurer des spell slots, c'est bien. Après, pareil, c'est pareil, je crois que ça, ils l'ont patché. Avant, dans le groupe, les persos, tout le monde pouvait l'utiliser une fois par long repos. Donc genre tu pouvais en fait utiliser des spell slots de level 6, t'en avais en fait 4 au lieu de 2. Ça c'est c'était bad. Une bonne chose. Ah c'était trop bien. Bon, que les gens aux mains lestes crochent.
Ah, attendez, je... Ah oui, c'est vrai. J'apprécie mon passage de niveau, vous pouvez pas imaginer. Ah, ça y est, ça, enfin. Non, c'est pas ça, c'est, je suis en train de réfléchir, c'est quoi le spell cheaté que je vais prendre. C'est plus ça. Alors, je pense que n'importe quoi que tu vas prendre, de toute façon, ça va être cheaté. Donc, une chemise de maille. Parce que toi, t'as pris la voie des quatre éléments. Ouais. Ah, là, je fais un multiclass avec Astarion, voleur avec voix de l'ombre. Bah, c'est, il t'a pas aussi fort que toi. Hein. Ah, mais moi, je suis conscient que. Je te dis, hein, moi, j'ai regardé les guides et tout. Tout le monde dit, ouais, c'est de la merde et tout. Vas-y, c'est de la merde. Moi, je veux bien vous voir. Hein. Ils ont sniffé de la colle, les gens. Clairement. Ah, oh, ah bah voilà, je vais prendre ça. Ça a toujours été considéré comme ultra pété, les monks. Non, il disait que c'était de la merde. La voie des quatre éléments. Après, je crois que la voie de la paume ouverte, c'est encore pire que ce que tu fais, toi. Je vois. En tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, j'ai du point de vie. Ah, alors, un coffre. Ça, c'est pour Arda. Ça, c'est pour moi. Attends, je suis... Ah bah non, putain, si. Alors, je peux... Don Gaiden, je suis pas con. Ah, si bon, autant pour moi. Ah, en vrai, j'en ai pas spécialement besoin pour ouvrir les coffres, on va pas se mentir, mais... Dans le dos. Oh, encore des confonds. Pédoncule oculaire de Gauss. Oh, c'est dégueulasse, ça. Je sais pas ce que c'est, hein, mais... Ouais, mais c'est pour faire de l'alchimie. Voilà, c'est ça, il y a marqué ça fait des trucs. Ça fait des trucs, on prend. Oui, bon, je t'avoue que je fais jamais moins de 20 pour ouvrir un coffre, voilà, donc... Vas-y. Voilà. Bon, c'est le moment de te la péter. Ça c'est pour toi, Arda, voilà, c'est un truc de mage. T'as des spells... T'as des spells slot de level combien, là? Moi, je vais jusqu'au niveau 5. En étant level 9? Ouais. Donc ce serait deux emplacements de level 4 en étant niveau 8. Ouais, y'a pas des sorts de ouf level 4. Je crois... Si je suis menacé, je gagne plus 1 au DD de jet de sauvegarde. Ouais, bon, c'est pas... Attends, il faut que je teste mon sort parce que faut un peu que je comprenne. Je viens de sauver, que personne ne fasse rien d'intéressant. Ah, attends, bah du coup, je vais tester un truc aussi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que t'as pris? Non, mais. Pas, ça a quelque... Putain. Ah. Ouais, il a sauvegardé, hein. Moi, je vais. Oh, ah. C'est ce qu'il est. D'accord, donc en fait, vous savez qu'il y a des mannequins. Bah regarde, t'es toi le mannequin, t'es là. Tiens, va voir là-bas si je suis. Oh, énorme. C'est et incroyable, peux... ton truc. Et une fois que j'ai activé une fois, je peux le relancer autant de fois que je veux. Regarde. Hop, c'est coucou. Ah, mais je l'ai jamais utilisé ce soir. Coucou. Et tu peux coucou. Me sauter dans un trou. Mais pourquoi tu... Coucou. Et genre, tu fais que ça comme dégâts ou tu peux faire plus de dégâts? Je sais pas, je peux le déplacer jusqu'à 18 mètres par la surface de la pensée. Et une fois que je l'ai activé, je peux le réactiver autant de fois que je veux. Ah! Là, je peux déplacer, je pense. Je peux aussi déplacer. Gong of the Sun. Ah, par allez, contre, c'est de la concentration. Oh lolo. C'est de la concentration, donc ouais, je suis obligé de maintenir la concentration. Je peux lancer mes spells un bon nombre de fois maintenant, là, ça commence à venir bien. Là. Bah oui, c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, c'était un peu souffreteux, quoi. Bah, non, mais j'avais pas beaucoup de kiff, fallait que j'économise, tu vois. Là, du le coup, fait que. Tu faisais seulement 4 attaques par tour. Bah, voilà, c'est ça. Là, maintenant, j'ai du ki, en plus, mes trucs qui redonnent la moitié de mon ki, bah plus j'ai de ki, plus ça m'ordonne finalement. Ah, mais t'as du ki. Voilà, qui est du quoi après, T'as du kiki. Boom. Ah, mais on peut aller là. Parce que là, si je passe level. Qu'est-ce qu'il y a par là? En fait, c'est le dessus des prisons en fait. Je sais pas ce qu'il y a, mais une chose est sûre, j'y vais. Ah, ouais, si j'ai un fit en plus, hein. Allez, récompenser l'explorateur là. L'explorateur aguerri. Ah non, c'est les cieux où on a libéré les gens. Jamais, tu crois que je peux faire. Ah. Tu veux pas que je fasse un. Je suis un peu déçu. Je voulais faire un saut autour de la plateforme, il veut pas. Ceux qui veulent me rejoindre, je peux faire un Feather Fall. Mais on l'a tout fait là. Là, il arrive. Vous êtes où là? Non, mais il doit bien rester quelque chose encore.
Bah on est pas... En même temps on est tellement OP maintenant qu'on s'est passé un peu à travers du beurre, à travers tout comme dans du beurre quand même. Ah mais oui, si, mais il y a tous les trucs qu'on n'a pas fait au début là où il y avait les traces de sang, on y va. Donc... Ah oui, en fait il y a encore l'escalier. Et on a barave la gueule aux deux torsionnaires. Ah mais oui, il est en bas, Bunir, vas-y balance. Bah oui. Ah ouais, alors il y a une échelle, moi je la prends, hein. Je suis quelqu'un de civilisé. Bah nous aussi, regarde. Moi aussi, regarde, je suis civilisé. Putain, Allez, c'est moi qui ai sauté le plus. Allez, parachutiste voilà. Américain, quoi. C'est ça, quoi. Easy Company, let's go. Là, on est déjà allé, on les a tués, donc c'est forcément en face. Escalier. Oui. Et là, je vais avoir des revendications d'achat de matériel. Ah, il y a des vendeurs, là. Escalier. Ouais. Bah, heureusement que on n'y est pas allé en étant méchant. Hein. Bah ouais, c'est pour ça, tu vois. Bah alors, là, on a quand même marave la moitié de la... Ah oh, oui. Bah, c'est pas la moitié, c'est surtout qu'on a tué l'entièreté. Bah, voilà, je vous laisse vous balader. On va voir moi, je vais rester là parce que 100%, sinon je vais créer un incident diplomatique. Je vais vous regarder vous déplacer. Hein. Ah bah alors. Eh, vas-y, Katox, tu veux parler au Hobgoblin? Ouais. Par contre, putain, tu réussis ton jet de charisme ou je sais pas quoi. Superbe moustache. C'est la même que toi au début. Ouais. Encore peu, la tienne était un peu plus majestueuse, je trouvais. Attends, mais pourquoi t'es en train de commercer? Bah parce qu'il m'a proposé de commercer. Ah, fais pas ça. Oh. Parle-lui, dis-lui que tu es fort, tu es beau, tu as le corps huilé. Si vous arrivez à me furieuse. Quelqu'un qui va se faire tabasser s'il continue sur ce ton. Je connais un qui va se faire tabasser si on continue sur ce ton. I put weapons in worthy hands. The absolute needs warriors for her crusade. But I see only weaklings in this place. Vous êtes pathétique. Prove it. Who's singing your name? Il a dit chanter. J'ai pas un choix de barde. Nul ne chante mon nom, je n'ai pas pour habitude de laisser des témoins derrière moi. Oh. Ah mais non, fais la 4 là, t'as plus 11. Plus 11, plus 1 des 4, genre c'est incroyable. Le gars il va se pisser dessus, genre... Oui, en fait, c'est... Ah, faut vraiment que tu fasses 2. Ou 1. Non mais 21, c'est 11, c'est ok quoi. C'est bon, 30. On va faire 30. Voilà, je pense qu'il a tous ses sphincters qui sont lâchés. Looks like this bite in you yet. Want anything from my stash? You pay less than the rest. Voilà. De toute façon, je paye déjà extrêmement peu. La hallebarde de vigilance. L'arme rouge. C'est déjà ce qu'il veut, quoi. Ah ouais. Putain, mec, 1000 balles, quoi. C'est abusé. 1000 balles. Ouais, t'as 10k PO, j'en ai 9k, donc c'est bon. C'est beaucoup trop. Bon, c'est des trucs à vendre, c'est le moment, parce que du coup, j'ai 1000 balles à absorber. T'inquiète, j'arrive. Oh, moi, je suis au campement, j'ai rien. Alors, moi, j'ai ça déjà. Hop, c'est tout Katox. Paf. Bref, comment est finalement assez près. Katox. Katox. T'es trop lourd, je peux pas te fier mes merdes. Pourquoi vous me filez la bouffe? La bouffe, il faut qu'on la centralise chez... chez moi, j'envoie tout au campement, la bouffe. Hein. Ah bon? Mais on avait pas... Bah moi, j'envoie tout à Adelia, comme ça, il... Paf. Je t'ai envoyé ma bouffe. C'est bon, t'as vendu tes merdes? Non. Si, c'est un petit à petit, mais tout le monde s'y met. Bah, t'as dit s'il y avait des trucs, moi, je t'envoie des trucs. Pourquoi vous m'envoyez les merdes à moi? Et pourquoi vous récupérez de la nourriture pourrie? Parce que ça se vend. Katox tout heavy quoi, putain. En plus, je suis obligé à chaque fois de. Tu sais, c'est sur des trucs. Je suis obligé de faire valider, bi. Ouais, quand c'est par stack, c'est ça. Mais ça, c'est vrai qu'un add-on qui permettrait de tout vendre le stack entier, ce serait bien. Ou alors de pouvoir. Classer des objets, un type d'objet en rebut, comme ça dès que tu vas chez le marchand, tu peux les vendre sans qu'on te dise t'es sûr. Tu peux faire à découvert là.
Ouais, mais ça le fait que pour un seul objet, par exemple, si tu récupères bah, une cuillère, la cuillère que tu as dans ton sac, tu la vends. Je suis encore trop heavy ou il y a encore des trucs à vendre ou... Ah, t'es toujours trop heavy là. Quoi? Mais comment? Moi, je te ah oui, mais parce que du coup. Voilà. Voilà, là je suis plus trop heavy normalement. Ah, attends. Ah. Ça peut s'arranger. Putain. Exactement, finalement, c'est qu'une question de temps quoi. Vas-y, attends, je te prends la hallebarde. Comme ça, t'es moins lourd et je te file ça. Ah putain, t'es trop lourd, merde. Qu'est-ce qu'il m'a encore filé comme merde, attends. Hop. Ah, attends, moi j'en ai encore plein dans le camp. Allez, on voit. De toute façon, il lui reste 1000 PO, donc ça sert à enlever toutes vos merdes. Après, il y a potion de repos angélique, mais c'est une jaune, donc... Je prends. Une jaune, hein, c'est pas une rouge. Oui, je prends quand même. Une jaune, comment ça une jaune? Bah, elle a l'air d'être jaune. Enfin, elle est bleue. Mais, oui, mais je prends... J'en ai déjà deux. C'est exactement la même couleur. Je prends. Tiens, je viens de t'envoyer ma garde-robe complète. Allez, let's go! Regarde-moi toutes ces merdes là! J'avais quelques chemises! Là, ça va commencer à part. En plus, elle est trop stylée, je trouve, cette hallebarde. Un catox tout est vide, quoi. Ouais, ah, bah oui, là, attends, ça sert à rien parce qu'il a plus de thunes. Bon, ouais, mais attends, regarde, il y a une marchande à côté. Ah non, la marchand, psychique et force. Ah ouais. Ah merde, elle est pas là. On l'avait buté. On a tué. Après, on a tué des gens quand même hein, dans cette partie. Hein. Ouais, bah, et ici normalement il y a un marchand, mais vu qu'on l'a bousillé, bah plus marchand. Too bad. Ah là, mais il y a d'autres marchandes. Ah. Ah là, bon, la moulin. C'est intéressant, ça on peut prendre. Il y a d'autres marchandes, tu dis? Elle est où? L'armure lourde. On va attendre Katox parce que. En soi, il va y avoir du blabla. Oh. Oh, il a des belles choses là. Ah oui, non mais lui il a du stuff. Oh, attends, et si on se met en... Ah non, merde, si on... Non bah attends, faut sauvegarder avant de faire ça. Parce que moi, quand je fais ça après, ça part en combat généralement, donc... Ça me fout une angoisse. J'ai vu une technique sur internet pour voler les marchands sans foutre la merde. Je l'ai essayé. Je me suis fait mais tellement de thunes. Là, ah ouais, bah en gros, tu lui files plein d'objets au marchand, et après t'as un sort que Katox il a en parcho qui s'appelle Feindre la mort. Vu que le PNJ devient ton allié, tu peux lui caster ça sur la gueule. Tu mets une zone d'ombre avec ton voleur, tu voles tout le stuff, et quand tu reviens, il est là genre hey copain et tout, alors que tu as volé toutes ses affaires. Mais vu que tu l'as pas volé alors qu'il était conscient, et ben ça marche. C'est splendide. Je vais aller parler à qui du coup? Ouais. Je vais aller parler à qui du coup? Venez, vous montrez. Ah. J'ai vu la Timmer qui est rentrée en conversation là. Ouais, ils en ont parlé avec le... Oui, j'ai sauvegardé pour éviter de devoir refaire toutes ces ventes parce que ça me saoulerait beaucoup. Mais ça va être trop bien quand on va tous les buter là, les gens. Et là, il y en a une aussi, Arrage Oblodra. Oblodra. Wow, faut se calmer sur le maquillage. Should you be interested, I have a particular offer I'd like to make. Oh, elle va donner du matériau pour Arda, ça. Like your blood. A vial ça sent la true soul's blood specifically. Il y a un pilgrim. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Elle veut du sang. S'arranger, hein. Ah oui, une potion là, d'angélique machin. T'es déjà en train d'essayer de la voler? Oh non, elle est par terre devant moi là. Tu crois que je peux lire son livre? Elle a un livre. House of Blodra was purged a century ago by an alliance of rival drow houses. Among the many crimes tallied against them, their reckless experimentation with illithid breeding stock. J'aime bien. Est-ce que je lui donne mon sang? Tu l'as réussi. Est-ce que je lui donne mon sang? Après, oui, vu qu'on fout le zbeul en soi. Just a little prick and it's all over. Close your eyes. Close your eyes. Pff, tu m'as arraché la main. En même temps, si
c'est juste une petite piqûre d'épingle, elle aurait pu ramasser le sanglier sur toi, il y en a un paquet quoi. Ouais, c'est... Ah oui, alors c'est pas le nôtre. Hein. Si vous voulez, c'est pas grave, ça lui en aurait pas d'autre. Et t'as gagné quoi alors? Je sais pas, je reviendrai après. Vendre. Ah, bon. Elle a. Elle a. Elle a. Ah, si elle a une. Il y a quelqu'un qui a éternué là. Non, mais regarde, il y a un mec qui a littéralement éternué. Oh. Ah oui, effectivement. Ah bah, dès que... Quand une créature affectée par réverbération inflige des dégâts au porteur, elle doit réussir un jet de sauvegarde ou se trouver hébétée. Cap de peau de tonnerre. Est-ce que j'ai un truc de réverbération? Ah non, putain, c'est un anneau qui fait ça, je crois. Ah, on doit pouvoir les libérer, les trucs, là. Les gnolls, on doit pouvoir les libérer. J'ai un parchemin de désintégration, c'est 10d6 plus 40. Ah attends, quand je fais des dégâts de tonnerre, d'éclair ou de radiant, j'inflige 2 tours de réverbération. Arda, tu veux le parchemin de désintégration? Ouais. Ah oh, ouais. Attends, que je t'envoie des trucs avant. Non, je viens de voir la notif au-dessus de Katox, hautement encombré. Ah bah oui, tu viens de dire ça. Oui, tout. C'est pas. Je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il y a par là? On était là déjà tout à l'heure. Oh, on était là? Ah oui, on était par là. Arda, cône de froid? Oui. Alors, cône de froid, ouais. Si en plus on leur jette des bouteilles d'eau, ça les rend vulnérables aux dégâts de froid, ça peut devenir vraiment ultra pétail. Après, si vous trouvez des pare-chauds de glyphes. Merde, warding, putain, c'est quoi déjà, de protection. Je veux bien les pare-chauds comme ça, ça me permet de caster plus de sorts. Ou même de chaîne d'éclair. Alors, sur la on s'en fout. Avantage sur les jets d'attaque, mais un désavantage sur les jets de sauvegarde en anneau. Ah, il y a un petit chat qui est en train de dormir ici. Je prends ça pour un nom. T'as dit quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit en fait. Avantage sur les jets d'attaque, mais désavantage sur les jets de sauvegarde. Oh, c'est quoi, merde? C'est un anneau de risque. Sur les terrains difficiles, rien ne peut vous paralyser ou vous entraver. Mais uniquement c'est sur les terrains difficiles. C'est quoi ça? Anneau d'action libre. Ah ouais, prends-le. Moi, j'ai ça de base. Ouais, mais faut que quelqu'un le prenne. Je vais pas le taper dans mon inventaire en entrant en plomb pour que personne l'utilise. Bah, t'as un anneau tout pourri qui fait de la lumière. Fair enough! Mais très bien, mon anneau fait de la lumière. Mais tu t'en fous, t'as une arme qui fait déjà loupiote. Ouais, c'est vrai, moi que t'as déjà une lampe torche. Je suis un homme lumineux, c'est tout. Mais non, mais ton arme a le sort que ton anneau te donne. Ouais, je sais. Bah, vire ton anneau de merde! Je suis un super homme lumineux, surtout que maintenant je vois à 24 mètres sans besoin de lumière. Le mec, attends, j'ai un anneau qui fait une bougie. Alors non, que t'as déjà une bougie. Non, non mais c'est ça. Non, je le gars, trouve... ça peut devenir une bougie alors qu'il a une maglite dans les mains, tu sais. Je te trouve médisant sur mes capacités. Moi, non, mais c'est juste ton choix. Il est très beau ton anneau, il n'y a pas de problème, il est légendaire, d'accord. Mais c'est de la merde. Je te trouve fort médisant. Oui, je sais que je suis pas très gentil. Mais... Non, mais pourquoi on m'a foutu des chapeaux dégueu dans mon inventaire? Ah mince, pardon, c'est peut-être toi qui me suis trompé. Je vous adore, ça me fout. Mais pourquoi tu me les donnes? Donne-les à Katox, c'est lui qui vend. Mais je peux pas, il est trop lourd. Il ah oui, pas c'est vendre. Vrai. En plus, là, tu m'as fait idée. Pourquoi j'ai des sous-moi? Je vous rappelle que vendre, vous pouvez le faire aussi. C'est peut-être... Mais non, t'es en train de converser avec le marchand. Voilà, c'est bon, démerdez-vous. Allez hop, je me casse. Attends. C'est nous qui devons parler au marchand pour vendre nos trucs. Et le temps de vendre toute la merde, je propose qu'on termine l'épisode ici et qu'on se retrouve juste après les ventes parce que ça va être très chiant. Ah, ils vont être contents pour la bonne fin de l'épisode là, ça fait 20 minutes qu'on est en train de vendre. Allez hop, c'est fini maintenant. On va le vendre encore plus. Parce qu'on va pas encore plus fort. A plus tout le monde. On fait des bisous. Des bisous.